Bonjour, you are listening to Cultivate Your French podcast, one slow French episode every week. My name is Laetitia, I'm French, I live just outside Paris, and I share with you a small slice of my daily life here in France. I also run the podcast One Thing in a French Day since 2006. All the information about the transcripts, notes and photos is available at cultivateyourfrench.com. Dear listeners of Cultivate Your French, I wish you a belle et heureuse année 2021. I wish you health, a curious mind, a lot of happiness and of course a lot of French in your life. I received as a Christmas present from my parents a Kuglof baking tin. I really enjoy this enriched bread typical of the east of France and other countries of Central Europe because I ate some when I was a child. It had such a wonderful taste, the taste of Kuglof. During the holidays, I started to bake some and it has become Micaela and Felicia's favorite breakfast. I baked 2 pieces at the same time and I kept them in a large metal tin. Did my Kuglof have that special taste? This is what you are going to hear in today's episode. Et maintenant, parlons français. Je vous lis le texte une première fois lentement et ensuite à vitesse normale. C'est parti. Le Kuglof est un pain alsacien au raisin qui se rapproche de la brioche que l'on cuit dans un moule qui a une forme particulière. Depuis que j'ai reçu mon nouveau moule, je me suis lancée dans une quête. Je suis devenue une telle partisane du Kuglof que je regrette qu'on ne puisse pas le trouver partout comme le panettone. Il lui manque peut-être tout le marketing qui va autour du panettone. La boîte métallique, l'emballage avec le beau ruban, le processus de fabrication au levain qui dure 3 jours. Il lui manque surtout le goût. J'ai toujours été déçue en achetant du Kuglof dans les boulangeries. Il avait le goût de brioche. D'ailleurs, mes premiers essais avaient le goût de brioche. Pourtant, j'avais comparé plusieurs recettes. J'ai fait goûter un de mes premiers essais à mes parents pendant les vacances. C'est bon ? Mais ce n'est pas le goût ni la texture du Kuglof, a dit mon père. Je rechercherai la recette de la sœur de Michel, a dit ma mère. Quand j'étais à Périgueux et que j'allais faire de l'avion, a continué mon père en se rappelant sa jeunesse, je mangeais du Kuglof tous les week-ends. La femme du mécanicien en préparait 2 énormes chaque week-end à la main. Ils étaient alsaciens tous les 2. Voilà, c'est comme ça que le fil se tient. Mon père connaît le goût du Kuglof grâce à la femme du mécanicien. Il aimait aussi celui préparé par sa sœur et c'est celui que mes parents nous préparaient. Une vraie Madeleine de Proust. La quête continue. J'ai repéré une recette de Christine Ferber sur Internet. Et maintenant, le texte à vitesse normale. Le Kuglof est un pain alsacien au raisin qui se rapproche de la brioche que l'on cuit dans un moule qui a une forme particulière. Depuis que j'ai reçu mon nouveau moule, je suis lancée dans une quête. Je suis devenue une telle partisane du Kuglof que je regrette qu'on ne puisse le trouver partout comme le panettone. Il lui manque peut-être tout le marketing qui va autour du panettone. La boîte métallique, l'emballage avec le ruban, le processus de fabrication au levain qui dure 3 jours.
il lui manque surtout le goût. J'ai toujours été déçue en achetant du Kouglof dans les boulangeries. Il avait le goût de brioche. D'ailleurs, mes premiers essais avaient le goût de brioche. Pourtant, j'avais comparé plusieurs recettes. J'ai fait goûter un de mes premiers essais à mes parents pendant les vacances. C'est bon, mais ce n'est pas le goût ni la texture du Kouglof, a dit mon père. Je rechercherai la recette de la sœur de Michel, a dit ma mère. Quand j'étais à Périgueux et que j'allais faire de l'avion, a continué mon père en se rappelant sa jeunesse, je mangeais du Kouglof tous les week-ends. La femme du mécanicien en préparait deux énormes chaque week-end à la main. Ils étaient alsaciens tous les deux. Voilà, c'est comme ça que le fil se tient. Mon père connaît le goût du Kouglof grâce à la femme du mécanicien. Il aimait aussi celui préparé par sa sœur et c'est celui que mes parents nous préparaient. Une vraie Madeleine de Proust. La quête continue. J'ai repéré une recette de Christine Ferber sur Internet. Cultivate Your French, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.